Femme objet, corps amaigri, forme photoshopée pour vendre tout et n'importe quoi, sur les 3000 messages publicitaires non sollicités qu'un individu subit en moyenne sur une seule journée, il en est de très nombreux qui offrent de la femme une image dégradée, instrumentale et déplacée. Pour répondre au matraquage sexiste des publicitaires, les désobéissants d'Amiens sont passés à l'action. Femmes objetisées, amaigries, photoshopées, elles et ils en ont assez d'arpenter les rues, matraquées d'images publicitaires et autres slogans sexistes. Ce collectif d'Amiénois a décidé de mener ce samedi 6 juin une action anti-pub sexiste afin de sensibiliser la population à ce type de discrimination. L'objectif de l'après-midi, c'était de sensibiliser les médias et le grand public aux différentes pubs sexistes qui sont faites dans l'espace public et à Amiens. Nous sommes réunis cet après-midi. On a réuni une quinzaine de personnes avec le collectif des désobéissants et d'autres alliés pour organiser cette action. Et on a remarqué en discutant avec les passants que le même constat que nous, les gens étaient assez défavorables pour voir une femme dénudée pour vendre un produit, que ce soit un produit cosmétique ou un maillot de bain. Depuis 15 jours sur Amiens, on a remarqué qu'il y avait la marque Alzedonia avec un affichage qui était plus que massif du nord d'Amiens jusqu'au centre-ville, avec une stratégie de communication qui fait que nous-mêmes, qui ne sommes jamais allés dans le magasin, on a été très alertes par rapport à la vente de ce produit qui était un maillot de bain. Donc on a de manière symbolique et rigolote voulu aller ponctuer notre après-midi devant ce magasin, en rentrant dans le magasin, discutant avec le gérant, collant aussi de l'affichage « je ne suis pas à vendre, je ne suis pas un objet ». Pour demander au responsable du magasin qu'au niveau de son siège, il puisse demander ou appuyer notre courrier d'abandonner des pubs sexistes de grand format tout au long des boulevards de la ville d'Amiens. Est-ce que tu veux de l'alcool pour les collectifs ? Tu veux la mettre ? L'idée c'était d'avoir un parcours au sein de la ville d'Amiens et on avait ciblé différentes affiches où il y avait justement les grandes affiches Calzedonia et du coup on avait tout un petit parcours et en fait une par une on a fait les affiches avec des slogans, plein de slogans, puis en fait ça a un petit peu dérivé, après on a eu des vitrines avec des publicités sexistes. On a été dans 2-3 magasins, on a mis quelques affiches, quelques autocollants, tout comme ça. La plupart des personnes avec qui on a échangé sur l'objectif de l'action, sensibiliser contre les pubs sexistes, on n'a pas eu d'animosité, tout le monde était assez favorable. Même des personnes presque nous auraient suivis sur le parcours pour nous aider à coller et afficher. Donc c'est assez positif au niveau du ressenti des passants, enfin et même dans les magasins où on s'est arrêté un petit peu plus longtemps.